Lorsque l'aide au contrôle de la distance est activée dans le menu Réglages, elle s'active lorsque la commande au volant d'aide à la conduite dynamique est enfoncée. Lorsque l'aide au contrôle de la distance est activée, le témoin de la commande d'aide au contrôle de la distance s'affiche sur l'écran d'information du véhicule. Il suffit d'appuyer de nouveau sur la commande d'aide à la conduite dynamique pour désactiver le système. Le témoin de l'aide au contrôle de la distance s'éteindra. Veuillez noter que l'aide au contrôle de la distance ne fonctionne pas lorsque le mode traditionnel du régulateur de vitesse habituel est utilisé. Par ailleurs, un véhicule qui s'insère dans la voie devant vous pourrait ne pas être détecté jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans la voie. Si cela se produit, un carillon retentira et le témoin du système clignotera. L'aide au contrôle de la distance peut être activée et désactivée sur l'écran inférieur. Pour activer ou désactiver l'aide au contrôle de la distance, appuyez sur le bouton « Menu », touchez « Aide à la conduite » sur l'écran inférieur, touchez « Assistance comptable » sur l'écran inférieur, sélectionnez la touche « Aide au contrôle de la distance » pour activer ou désactiver le système. Le système d'aide au contrôle de la distance affichera les témoins suivants. Un témoin vert indique que l'aide au contrôle de la distance est activée. Un témoin orange indique qu'il y a une défaillance. Si un véhicule vous précède dans la voie de circulation, l'écran d'information du véhicule affichera ce témoin. Si aucun véhicule ne vous précède dans la voie de circulation, l'écran d'information du véhicule affichera ce témoin. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.